La génération actuelle, la génération Z, on a l'impression, on dit souvent en tout cas, qu'elle a du mal à comprendre la génération de leurs aînés, de nos parents. Leur relation aussi au monde du travail alimente beaucoup de débats. Et si tout le monde semble avoir un avis sur la question, celle des jeunes eux-mêmes n'est pas forcément écoutée ni prise en compte. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ? Bah justement, la formation qu'on a créée, CENO, donc pour convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser, le but, enfin le motto, ce que j'aime expliquer à nos élèves, c'est on essaye de se faire entendre, première étape, prendre de la place, porter les sujets qui nous tiennent à cœur, mais aussi être entendu. Et qu'en fait, ça ne sert à rien d'arriver, en tout cas, ça sert dans certaines causes, il faut des militants, il faut des activistes. Mais derrière, ça ne sert à rien d'arriver dans le bureau de son supérieur ou de sa manager et de dire, bah voilà mes convictions, voilà ce que je exige de l'entreprise. Ouais. Souvent, ça ne marche pas. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver un peu le bon niveau d'empathie, d'écoute pour proposer... être dans la co-construction, être constructif en fait. Et du coup, nous, on travaille beaucoup là-dessus parce que derrière, il y a beaucoup de clichés autour des générations. Il y a beaucoup de. Il suffit de taper génération Z au travail sur Google. Sûr. Alors là, mais c'est délicieux parce qu'on retrouve la même chose sur la génération Y il y a 10 ans. Et puis en fait, on peut remonter à l'Antiquité et les jeunes ont mauvaise presse. Enfin, globalement, et plus ils vieillissent, plus les mentalités changent. C'est ce que vous nous dites. C'est ça. Donc en fait, il faut sortir. Quelque part, il y a un manque de communication et il y a beaucoup d'interprétations. Donc en fait, il faut recréer des espaces de dialogue. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est recréer du commun. On pose la question, racontez-nous votre premier job. Tout le monde a un premier job, on peut recréer du lien. Oui. Quel âge vous avez dans votre tête ? Enfin, des petites questions un petit peu pour rentrer dans le sujet, qui ensuite recrée du lien. Et nous, c'est aussi comment on crée des espaces de travail où on se côtoie. Peut-être on a des projets communs, par exemple, sur les transitions. On crée une équipe de personnes de toute l'entreprise et de tous les âges pour mettre au service d'un sujet stratégique pour l'entreprise. On crée un tournoi de foot, j'en sais rien, pour recréer du lien entre des collaborateurs, collaboratrices qui ne se rencontrent pas forcément. Il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de petites techniques. Nous, on a fait ça par format d'atelier. Pour faciliter le dialogue, on le fait soit en huis clos avec les jeunes pour qu'ils nous racontent sans filtre ce qu'ils pensent et on fait la traduction ensuite pour que ça amène à quelque chose, soit on le fait avec un mélange. Mais tout l'enjeu, c'est de réunir les gens et sortir de l'interprétation parce que derrière, les clichés, il y en a beaucoup sur le sujet.